Et le jour se lève tranquillement sur la cité futuriste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit croc abonné. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des projets futurs de la chaîne, des projets actuels aussi. Voilà, de ce qui se passe un petit peu sur la chaîne tranquillement. Non, on va pas parler de ça, toujours pas. On va plutôt parler de ces petits trucs là. Mais on va commencer par les challenges aussi des crocs abonnés. Donc commençons par ça déjà. Voilà, je suis descendu de mon arbre pour vous parler un petit peu donc de... des vidéos croc abonnés. À l'époque, il y a quelques années, s'il y en a qui s'en souviennent encore de ma chaîne, à l'époque, ils suivaient à l'époque, j'allais capturer un monstre en fait à chaque cap d'abonnés, donc tous les 250 abonnés. Donc j'allais me balader, capturer un monstre, comme une araignée invisible par exemple, ce genre de conneries. Donc voilà, bon, c'est plus possible. Donc j'aimerais faire autre chose en fait pour le challenge à chaque fois, à chaque nouveau cap d'abonnés. Donc faire un petit truc. Donc là, j'avais envie de continuer en fait la cité futuriste. Donc faire des petits bouts qui manquent sur la cité. Donc continuer parce que ça m'amuse. Et continuer en mode survie. Pas en mode survie pardon, justement en mode créatif. Mais comme si je continuais, parce que là vous voyez que je peux m'envoler. Donc je suis en mode créatif ici. Et l'idée ce serait de continuer comme si j'avais continué en survie. Mais le faire en créatif pour gagner du temps. Et puis parce que cette map là n'est plus en survie. C'est plus intéressant maintenant. C'est plus sur un serveur etc. Donc c'est pas intéressant. Et donc l'idée voilà ce serait ça, de continuer un petit peu les petits bouts qui manquent sur la cité. Et espérer un jour peut-être la finir. Ce sera intéressant, voilà, il y a des petits bouts qui manquent, vous voyez ici c'est pas décoré. Ça, ces petits parcs là sont pas décorés. Donc ce sera sympa de voilà de continuer à chaque cap d'abonnés la cité. Il y a des choses à l'intérieur aussi à finir. Je peux aller voir, notamment ces étages là qui sont pas faits. Si je passe par là. Vous voyez qu'ici c'est pas décoré. Donc finir ces endroits là. Finir les petits extérieurs déjà, ce serait pas mal, notamment ces petits parcs là. Si je pouvais finir ça à chaque fois. Finir, il y a d'autres trucs par ici. Puis j'avais plein de projets sur la cité, il y avait des trucs de prévu par là. Par là-haut, il y a des trucs de prévu aussi. Donc il y avait un restaurant, des cuisines, etc. Qui avait de prévu par ici. Si je peux casser par là. Là c'était normalement l'entrée des cuisines ici. Et puis il y a un restaurant panoramique au-dessus. Donc voilà, pas mal de projets à faire. Et commencer peut-être par ces petits parcs là. Et bah notamment bah par exemple celui-là. Pour ceux qui connaissent, et bien ça c'est nouveau. Voilà, j'ai fait ça donc pour la vidéo quand même, je voulais faire un petit truc nouveau. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Bon alors c'est vite fait, hein, il n'y a pas non plus 50 000 trucs, hein, mais ça suffit en fait à décorer ce petit coin là. Vous voyez que celui-là il était décoré, c'est un des premiers que j'ai fait. Après les autres j'avais pas trop d'idées pour le faire. Donc celui-là est relativement simple. Et l'idée c'est que ces petits parcs là ressemblent en fait à ce qu'il y a en face. Là c'était très coloré, il y avait quelques arbres comme ça. J'aurais pu rajouter un peu plus d'arbres. Et mettre de l'éclairage un peu mieux. Et donc ici, bah, je voulais reprendre ce qu'il y avait en face. Donc, voilà, c'était l'idée. Ce sera ça à chaque parc à peu près, plus ou moins. Donc reprendre un peu les couleurs qu'il y avait ici, notamment les chemins. Par contre, il n'y a pas de fleurs bleues. Par là, c'est vraiment spécifique en fait à cette zone. Et donc voilà, je me suis amusé à faire ça. Donc ce petit coin-là, on peut s'y balader un petit peu, on verra. Oui, une petite, des petits trucs comme ça et puis un petit... comment, un petit pont dans l'arbre. Voilà, ça fait une petite zone sympathique avec de la cobble. Ça c'est, j'utilise pas souvent la cobble. Et puis ces trucs là, je voulais vous demander à quoi ça vous fait penser. En fait je cherchais un moyen d'éclairer la zone et puis du coup j'ai fait ça. Voilà, je sais pas trop à quoi ça peut ressembler. J'ai pas mis trop de déco, trop de trucs à découvrir dans la zone, pas seulement. Voilà, je me suis amusé à faire une petite un petit truc dans l'arbre, on peut grimper hein. C'est plus pour les enfants mais c'est pas grave, on peut grimper un petit peu. Voilà, puis ça fait comme ça on voit un petit peu différemment la zone. On peut se balader un petit peu tranquillement le temps que je vous parle des projets futurs. Donc bon, il y aura toujours les crocs abonnés hein, si jamais on arrive à 1000 abonnés. Donc je compte sur vous, on sait jamais. Et puis ouais, il y aura des trucs sûrement sûrement à faire. Il y a plein de trucs à faire hein, dans la zone si jamais on monte un petit peu. Donc voilà quoi, on pourra faire ça. Et j'avais dans l'idée de faire un let's build aussi un petit peu sur cette zone. Parce que j'avais plusieurs grands projets sur ce truc, sur cette cité. Donc pas à l'intérieur, mais faire un autre truc par là-bas sur l'eau. J'avais ça comme idée. Donc peut-être que je ferai un let's build là-dessus. Je sais pas trop. Faut que j'y réfléchisse encore. Mais après il y a d'autres trucs qui devraient arriver aussi. Faut que je me trouve un nouveau serveur pour m'installer en fait sur un nouveau serveur en survie. Parce que j'ai pas mal d'idées, etc. Donc j'ai envie de. Ça me manque un petit peu. Le fait d'avoir build ce petit coin ici, ça m'a redonné envie de vraiment de build en fait, surtout en survie, c'est ce que j'aime vraiment. Donc j'aimerais bien trouver un petit serveur, donc un serveur digne de ce nom. Donc j'y réfléchis un petit peu en ce moment,
voilà, pour vous proposer quelque chose de nouveau, parce que pour l'instant j'ai montré que des anciens trucs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire cette petite zone pour la vidéo. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et ces trucs là, bah ouais, ça sera à vous de me dire à quoi ça vous fait penser. Voilà, sachant qu'il y en a un là-haut aussi. Comme ça, bon, c'est assez particulier, mais bon. Donc voilà un petit peu pour les projets futurs. Donc il y a toujours des croque-labos peut-être qui vont arriver. Il y a, j'espère, des nouvelles séries que je vais lancer prochainement. Donc ça devrait arriver. Et puis j'ai aussi encore cette cité à vous faire visiter, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas montré encore. Et d'ailleurs ici on voit que tout le quart est fait en fait, quand c'est... Ça c'est décoré du coup, donc tout ce quart là, maintenant est décoré. Donc ça rend plutôt bien, ce petit coin là. Par exemple, voilà, quand il y a la petite déco comme ça, et puis tout un coin décoré, ça rend bien. Et donc il faudrait réussir à finir le reste. Donc si jamais les abonnés augmentent encore un petit peu, à 1000 abonnés, j'en ferai une vidéo. Voilà, pour décorer peut-être celui-là ou celui-là là-bas. Et décorer là aussi, histoire d'avoir toute la cité extérieure finie. Ce serait plutôt sympathique, quoi. Ouais, c'était pas mal quand elle était là. Voilà, il y a des conneries comme ça. Ah bah tiens, ça va pas être renommé, ça, j'ai perdu le renommage de mes items. Parce que tout est renommé normalement, tous les objets sont renommés. Donc la sauvegarde n'est pas forcément à jour, ou alors c'est là en passant au 1.11. Bon, enfin bref, s'en fout un peu, à faire que je récupère tout ça parce que... Bon, à faire que j'enquête. Voilà, tout simplement. Puis il y a d'autres trucs que j'ai pas montré, mais bon, c'est pas... truc sous l'eau d'ailleurs. Bref, voilà, je voulais faire des trucs pas mal sur cette cité, et j'ai pas mal de projets. Donc on verra, et faire un nouveau Let's Croc, on va dire. Donc sur le biome corrompu, hein, l'idée c'est vraiment de reprendre ça et de s'amuser, notamment avec les mobs. J'ai pas mal de choses à faire avec ça. Voilà, on va se quitter là pour cette vidéo. C'était une petite vidéo sympathique comme ça, pour juste pour vous remercier, voilà, des abonnés. Donc de ceux qui sont encore là, et de ceux qui restent. Parce qu'il y a un petit truc rigolo, c'est que à chaque fois que je sors une vidéo, du coup il y a des gens qui se disent bah ce mec là il a pas sorti une vidéo depuis 2 ans, là il y a une vidéo qui apparaît comme ça d'un coup. Du coup il se désabonne. Donc à chaque fois que je sors une vidéo, je perds quelques abonnés. C'est assez rigolo. Donc bon, ça m'abuse plus qu'autre chose, hein, c'est pas bien grave. Donc voilà, on va se laisser là. Je vous dis bah merci à tous, hein, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je compte sur vous pour partager un petit peu le... comment, et bien les vidéos que je fais sur ma chaîne, etc. Si vous voulez que je continue à faire du contenu et que je ne m'arrête pas en cours de route, bah, ça serait pas mal de... Bah, je compte sur vous tout simplement pour commenter, liker les vidéos que je fais, etc. Et en tout cas vous abonner si c'est pas encore fait. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est fait. Donc voilà, merci à tous, merci à vous les croqués. Ouais, je vais vous appeler comme ça maintenant les abonnés, je vais vous appeler les croqués. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et à bientôt.